Anna avec un H. Déborah. Général. Es una regla general. Genero. Como un nombre de ese tipo, genero. La proposition, c'était d'adapter un spectacle qui existe déjà, que le nom en portugais, c'est « O que fazer daqui para trás ». Ma proposition dramaturgique, c'est celle-là, que le spectateur il se relationne avec un corps épuisé, mais pas fatigué. Épuisé dans le sens qu'il est épuisé de sa propre volonté. Les participants sortent de l'immeuble, courent dans la ville pour arriver à cet état d'épuisement, mais aussi pour être influencés. Et après, le but, c'est de revenir à l'espace pour partager cette chose. Et ainda saia por cima. Eu sou a favor de uma arte que imite o humano, que seja cômica se for necessário. Bon, ça c'était donc un parti de l'influence. Et une autre c'était l'immeuble. Parce que tout de suite, dans le premier jour, on a compris que ça c'est un in situ, non? C'est un site spécifique. Et c'est un lieu avec une force particulière. On a reformulé un petit peu le projet. On a proposé que le magasin Genros, ça devient le lieu principal de notre travail. Bon, et après la performance, c'était une nouvelle couche de difficulté, de complexité pour le travail qu'on fait avec les participants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un projet pédagogique, donc c'est pas un spectacle dans le sens traditionnel. C'est vraiment une nouvelle opportunité pour les participants d'aller plus loin dans le travail qu'on a fait pendant les 2 semaines. Et dans ce cas, c'est quoi cet espace plus loin? C'est la présence d'un public, d'un regardeur, d'un observateur. Aproveita o convite lindo. Vou dançar até acabar. Até a noite. Tudo. Tudo vai acabar. Tudo tem um fim. Não é mentira, é verdade.